Laissons la plage écologique. Celle de la Noé Veillard à Pornic a reçu le pavillon bleu. Dans la station balnéaire ligérienne, elles sont 5 au total à l'avoir décroché. Un label souvent scruté par les touristes qui voient un gage de qualité et de confort. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un critère important pour eux. Les gens nous disent, et on le met en avant dans nos brochures, quand ils viennent voir quelles sont les plages, on leur dit, celles-ci ont le label pavillon bleu. C'est important, on sait, on peut y aller, nos enfants vont se baigner dans une eau propre et de qualité. Et le cahier des charges est drastique. Qualité de l'eau irréprochable, tri sélectif obligatoire, les critères sont nombreux. Mais la ville de Pornic est une habituée du label depuis plusieurs années. La municipalité voit dans cette récompense un double enjeu majeur. Il a un côté économique parce que c'est un label qui est quand même regardé par le consommateur. Il est aussi quand même important pour nos équipes qui travaillent au cours de l'année de voir aussi gérer une validation du travail qui est fait sur le cadre de l'environnement, de la qualité, de l'accueil, etc. par nos services. Donc évidemment, on l'utilise à titre touristique et commercial et économique, mais il sert aussi, je dirais, de management de nos équipes. Pour espérer hisser le pavillon bleu, les communes doivent tout de même débourser entre 640 et 1430 euros. Un investissement relativement faible qui permet peut-être d'attirer les romantiques sur la plage.